Le président palestinien Mahmoud Abbas était à Ankara pour une visite officielle au cours de laquelle il a rencontré le président turc Tayyip Erdogan. L'un des principaux sujets à l'ordre du jour pour les deux dirigeants était le processus de paix avec Israël. Nous sommes ouverts au processus de paix qui mène le président des États-Unis, Donald Trump. Notre seul souhait est pour le peuple d'avoir le droit de vivre dans un pays palestinien indépendant en vertu des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Les deux dirigeants ont aussi discuté de liens bilatéraux. Le président turc Erdogan a annoncé que l'aide de la Turquie aux Palestiniens et à la population de Gaza en particulier continuerait. Nous avons complété la construction d'un hôpital à Toubas et d'un autre à Gaza et l'équipement médical est en train d'être livré. Aussi, le projet de construction de 320 unités d'hébergement arrive à sa phase finale. Mais nous croyons fermement que l'économie palestinienne prend de l'ampleur grâce à ses propres ressources humaines. Mahmoud Abbas a déclaré que les Palestiniens étaient reconnaissants pour l'aide économique et politique d'Ankara. Les deux dirigeants ont insisté sur l'importance de leurs relations et promis de les renforcer.